suis rue Vavin, dans le 6e arrondissement de Paris, en compagnie de Paolo Benassi, cofondateur d'Amorino, cette société qui propose les glaces à l'italienne dans le monde entier depuis une quinzaine d'années. Depuis 2002, tout à fait. Donc Amorino est né en 2002. À Paris. À Paris, sur l'île Saint-Louis. Donc un endroit assez connu par les Parisiens, où les Parisiens et les touristes aussi dégustent les glaces. Oui. Donc on a ouvert cette première boutique di gelato artigianal italiano, parce qu'on avait remarqué qu'à l'époque, il n'y avait pas de bonnes glaces italiennes. Donc on s'est dit, il faut proposer ce produit qui est réputé pour être Parce que c'est vrai que les glaces font partie de l'image de marque de l'Italie. C'est un produit qui est mondialement connu pour être italien. Et d'ailleurs, c'est l'endroit en Italie où il y a le plus de glaciers artisanaux au monde. Parce qu'on s'est implanté partout dans le monde, mais effectivement à Paris, il n'y avait pas une offre de bons gelati italiens. Et donc on avait la première boutique en 2002 à Sully-Saint-Louis et d'autres qui sont vu les succès qu'on a eu depuis le départ, on s'est dit il y a un marché à prendre, il faut faire connaître la culture italienne, il gelato, les produits, les origines, les terroirs, parce qu'en fait nous allons chercher les ingrédients surtout en Italie, là où on pense où ils sont les meilleurs, donc on essaie de faire voyager nos clients consommateurs, leur faire connaître la noisette de Piémont plutôt que les pistaches de Sicile, plutôt que les agrumes de Sicile, le citron vient de Sorrento. Donc on fait découvrir une culture italienne autour d'un produit qui est typiquement italien, dans une ambiance chaleureuse qui un peu se différencie par rapport à l'offre d'autres glaciers. Oui, et cela en France d'abord, donc à Paris d'abord, en France par la suite, et puis dans le monde entier. On s'est lancé international, pas dans le monde entier, mais... Mais enfin, dans quel pays se trouvent vos implantations les plus importantes? Aujourd'hui, nous sommes présents dans 17 pays dans le monde. On a au total... C'est pas mal. C'est pas mal. On a 170 boutiques aujourd'hui. Et on est présent, nos plus gros marchés, c'est l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, justement l'Italie, où on a quelques boutiques dans les villes plus importantes. On est présent en Suisse, on est présent en République tchèque et à l'étranger, outre-mer aussi, aux États-Unis, au Mexique. On est présent en Corée, on est présent en Polynésie française, donc En l'autre bout du monde. En Moyen-Orient aussi, Maroc, Émirats, Dubaï. Donc au total, ça fait 17 pays. Donc dans plusieurs continents et dans plusieurs contextes différents. Culturels et gastronomiques différents. Mais partout où on s'est installé, on a les mêmes recettes de glace et on a rencontré le même succès dans tous les pays. Parce que justement, c'est un produit qui est reconnu comme italien. Il plaît bien. Et même ça. En Italie. Donc cela veut dire qu'il y avait ce besoin d'une image de la glace italienne, même en Italie. En Italie, ça, effectivement, la concurrence est très forte, mais on a un produit qu'aujourd'hui est à l'auteur des meilleurs glaciers italiens. Donc aujourd'hui, on n'a pas peur de s'installer dans les plus grandes villes. On a des excellents retours. Et c'est bien aussi que nos clients qui voyagent aujourd'hui autour du monde et puissent nous retrouver à Paris, aussi bien qu'à Venise, à Vérone, à Milan, à Florence, où nous sommes implantés. Oui, donc tu me disais tout à l'heure, avant de démarrer cette... Je peux déguster ton... Oui, bien sûr, merci. Mais tu me disais que la glace contient, pour ainsi dire, un message d'optimisme, que la glace inspire le sourire. Sourire. Et alors, par rapport à ces Parisiens râleurs, n'est-ce pas, qui sont souvent un peu de mauvaise humeur, la glace peut représenter... C'est clair, la glace est un antidépresseur. Nous, on donne du plaisir.
d'abord avec les yeux, parce que quand on rentre, on voit ces couleurs magnifiques, oui. On regarde les ingrédients, et en plus, par rapport à la douceur, moi, en premier, quand j'étais enfant, dès que j'avais 100 lire, eh bien, j'allais dépenser tout de suite à manger une glace, c'est vraiment culturel. Et donc moi, voilà, pour en rigolant, je dis toujours que nous avons la mission d'adoucir les Français, les Parisiens, avec ce petit moment de gourmandise, de plaisir, ben, qui donne de bonne humeur, on se fait plaisir. Les enfants adorent les glaces. Les adorent. Et je me souviens, on m'avait opéré aux amygdales, et alors là, j'étais obligé de suivre un régime à base de glace, et j'en étais très content. J'imagine. En fait, c'est un produit qui plaît aux enfants, mais aussi bien, c'est un produit pour tous les âges, pour les hommes, pour les femmes. Il n'y a pas de restrictions aujourd'hui. En plus, nous, on arrive à servir une clientèle qui est assez exigeante parce qu'on a des produits qui sont bio, biologiques, on a des produits qui sont vegan. Tous nos produits sont sans gluten. On arrive aujourd'hui, les clients sont de plus en plus exigeants et nous, on arrive à satisfaire aussi les clients qui ont des besoins ou des envies qui ne sont pas, c'est ce qu'on trouve d'habitude. Oui, la saison de référence pour les glaces, c'est l'été. Tout à fait. Mais désormais, on les consomme pendant toute l'année. Toute l'année. Eh oui. Non, mais c'est vrai que quand il fait frais ou froid, ça ne donne pas vraiment envie. Mais là, avec la consommation à domicile, effectivement, comme on fait en Italie, on ramène toujours des bacs emportés, des litres, des demi-litres, quand on va chez un ami ou chez un dîner. Donc c'est un produit qu'on consomme aussi bien l'hiver. Et effectivement, aujourd'hui, en France, les gens ils ont pris l'habitude d'aller plutôt acheter la glace au supermarché. Et donc il y a un gros marché encore à prendre. Mais surtout, on est en train de les éduquer, les habituer. Que, bon, la glace, il faut aller chez le glacier, comme la baguette, il faut aller chez le boulanger. Évidemment. Oui, oui. C'est quelque chose qui, pour nous, Italiens, est aussi simple, mais... Ce n'est pas évident pour les consommateurs français. Exact. Français. Oui, c'est vrai qu'au supermarché, on trouve des glaces qui sont moins chères aux glaces à Morino. Mais sont moins chères pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup plus d'air. Ce sont des glaces qui sont industrielles, qui sont faites parfois avec des ingrédients ou avec des arômes. À la place d'utiliser de fruits, comme là on a un lime basilic ou une framboise, ben là ils utilisent plutôt des arômes de framboise, ben, et forcément ils ont un coût inférieur. Et surtout le fait que la grosse différence entre une glace artisanale et une glace industrielle, c'est la quantité d'air. Parce qu'en fait, dans les glaces industrielles, il y a à peu près 100% d'air, quand chez nous, il y a environ 20-30% d'air. Donc le taux de foisonnement n'est pas le même. Donc, c'est pour ça que le prix n'est pas le même. Donc les connaisseurs savent apprécier la différence de qualité qui est j'espère. Après, comme dans tous les produits, il y a des gens qui sont plus attentifs au prix que l'autre, des gens qui sont plus attentifs à la qualité. Après, on ne peut pas satisfaire tous les clients. Bien sûr. Pour se procurer, donc pour consommer les glaces à Morino, on peut bien sûr visiter vos magasins à Paris, parce que comme la plupart des visiteurs de notre site sont des Parisiens. Des Parisiens. Donc, disons, vous avez plusieurs magasins. Ben aujourd'hui, on a bien implanté à Paris, dans les quartiers les plus fréquentés, les plus centrales. On a environ 25 boutiques. 25 boutiques. Oui, exact. Donc, qui sont ouvertes 7 sur 7. Ouais. En saison entre midi et minuit, donc il y a une tranche horaire assez importante parce qu'effectivement la glace c'est quelque chose qu'on a l'habitude de déguster toujours après les repas, qu'ils soient dans le milieu d'après-midi ou après un dîner. Et puis donc on peut les commander. On peut aussi. On peut passer un coup de fil. Directement en boutique, mais on a les prestataires qui font la livraison à domicile comme Deliveroo. Donc ça suffit avec une appli sur le smartphone. Passer une commande et on livrait chez soi dans la demi-heure qui suit. Donc, effectivement, on n'a même pas besoin d'aller chercher, se déplacer en boutique, parce qu'aujourd'hui, on a un service à domicile qui fonctionne très, très bien.
Voilà, donc vive la glace all'italienne. Viva il gelato. Viva il gelato e buon appetito. Profitez bien. On vous attend en boutique. Grazie.